Aujourd'hui, nous sommes ici, entre autres, pour souligner le rôle fondamental et les dimensions clés du travail des parlementaires pour atteindre l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans le secteur agricole. Les femmes ne peuvent être laissées de côté. C'est pourquoi la FAO, dans ses efforts pour promouvoir des systèmes agroalimentaires inclusifs et efficaces, renforce la capacité des femmes rurales à s'engager dans des chaînes de valeur rentables et à en tirer un meilleur profit. Cet échange d'apprentissage et ce dialogue de haut niveau sont l'occasion pour nous tous d'intégrer l'égalité des genres dans l'agriculture et la sécurité alimentaire en se basant sur les expériences et l'expertise des participants. Au Rwanda, nous avons ce que nous appelons la déclaration budgétaire de genre, qui est une exigence de toutes les entités budgétaires, et c'est l'une des annexes que nous soumettons au Parlement lorsque nous présentons nos budgets. Nous avons mis en place ce réseau pour faire en sorte que la vision qui consiste à encourager dans tous les pays de la CEDEAO des investissements agricoles inclusifs et équitables en termes de genre et qui puisse favoriser la sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous permettent aussi de réduire considérablement la pauvreté. We have enacted. Nous avons promulgué des lois sensibles au genre, et leur mise en œuvre nécessite une appropriation par les exécutants. En Afrique, le système patriarcal a toujours une influence sur les relations entre les genres, ce qui entraîne des inégalités envers les femmes. Moi, j'ai découvert que je suis différente des hommes à l'âge de 3 ans à 4 ans. Pour la simple raison que j'ai grandi parmi des garçons. C'est la concession familiale. Mon père avait 2, je viens après 2 garçons. Le grand frère de mon papa avait 5. Donc, on m'appelait Della. Chez nous, Della, c'est celle qui vient après les hommes. La gouvernance sensible au genre requiert une volonté politique honnête. Parce que vous entendez ici et là de bonnes paroles de la part des dirigeants. Mais lorsque vous allez sur le terrain, il n'y a généralement pas de correspondance entre les paroles et les actions.